النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. Salam alaikum, bienvenue à tous et à toutes dans l'islam. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de recevoir Cheikh Zakaria Siddiqui, que vous connaissez très bien maintenant. Cheikh Zakaria, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Très bien, donc maintenant on n'est plus qu'à quelques jours du jeûne du mois du Ramadan. Si vous pouvez nous éclairer pour commencer sur les finalités donc du jeûne. Quelles sont les finalités donc du jeûne? Dans quel état d'esprit, pardon, le musulman jeûne? C'est quoi son objectif ou l'objectif qu'il doit se fixer en tout cas pendant ce mois? Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Pour connaître les finalités du jeûne, il faut se référer tout simplement au Coran et en particulier au verset concernant le jeûne. Dieu dit « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum al-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqu. » Ô vous qui en cru, nous vous en prescrit, nous vous avons prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Et donc, il est clair par ce verset que derrière le jeûne, il y a une volonté de faire évoluer les jeûneurs vers la piété. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit clairement « As-sawmu junnah » « Le jeûne est une protection. » Alors, le prophète ne précise pas « junna » de quoi, c'est-à-dire « protection de quoi ». Il laisse entendre que c'est une protection au sens large, qui peut englober plusieurs choses. Contre l'enfer, contre les péchés éventuellement. Je dirais tout simplement que on peut résumer cette protection en la protection des choses matérielles et la protection des choses invisibles. L'enfer, les démons, les mauvaises pensées. Ça, c'est l'invisible. Ouais. Et puis, protection de certaines maladies, de certaines mauvaises habitudes. De ce rapport à la santé, même à la dépendance des choses, parce que l'individu lorsqu'il est dans la consommation, il est gourmand, c'est une dépendance. Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'obésité même chez des enfants. Alors, en parlant pas des adultes, et le jeûne permet aux adultes de contrôler leur consommation. Très bien. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que le jeûne du Ramadan permet aux musulmans d'évoluer vers la taqwa en arabe, la piété. On n'atteint pas la piété en un mois. Ah oui, mais on révise notre rapport à la piété chaque Ramadan. Très bien. Puisque le Ramadan n'est pas prescrit une seule fois dans la vie, mais à chaque année, on doit faire cette révision et donc on se remet en question, on définit quels sont nos manquements et quels sont nos points forts pour les renforcer. Et donc c'est ça le travail qui va conduire l'individu à cette piété. Et le mois de Ramadan
il est annoncé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer se referment, que les démons sont enchaînés. Donc, il y a une préparation des conditions invisibles pour que l'individu prospère dans cette voie spirituelle et qu'il va vers la quête de cette piété qui est importante dans son salut, puisque il est dit pour le premier, on va dire les enfants d'Adam, quand ils sont disputés, les deux enfants Abel et Cain, il est dit dans le Coran, إنما يتقبل الله من المتقين. Certes, Dieu accepte des pieux, c'est-à-dire les actes qui sont les actes d'adoration. D'adoration, bien sûr. Exclusif à Dieu, oui. Et donc cette piété qui est dans le cœur, on va vers elle et pour gagner d'une certaine façon la satisfaction de Dieu. Très bien. Dans le hadith que vous avez cité, les démons sont enchaînés. Est-ce que ça veut dire qu'ils attaquent plus l'être humain, ils ne l'orientent plus, ils ne lui lancent pas des pics dans son cœur? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en dehors on va dire, du démon qui est associé, on va dire, à l'homme, c'est-à-dire al-qarin. Nous, on sait par les textes que chaque nouveau-né, le grand Satan, lui associe et un de ses disciples pour qu'il s'occupe de lui durant toute sa vie, et celui-ci il va on va dire l'accompagner durant toute sa vie. Mais tous c'est celui-ci ou celui du prophète sallam est devenu musulman. Oui. Tous les démons sont enchaînés, donc ils ne peuvent plus influencer l'individu, et cela permet à l'individu d'avoir un regard plus juste sur sa propre personne. D'ailleurs, nous savons... Au lieu de lancer des accusations systématiquement les démons. Bon, les savants font la distinction entre l'influence du démon et l'influence... on va dire, ou plutôt les choix individuels de la personne. Ils disent que souvent l'ego insiste sur le péché. Par contre, le démon, quand il suggère un péché, si l'individu ne le suit pas, il lui suggère un autre. Ce qui l'importe, c'est de désobéir à Dieu, c'est d'aller dans le péché, et ce n'est pas tel ou tel péché en particulier. Donc il y a des études sur on va dire ce qui permet de distinguer les manipulations, on va dire sataniques. Très bien. On sait que l'ange Gabriel faisait réviser le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année pendant le mois du Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette relation du coup entre Coran, mois du Ramadan et croyants? L'autre verset qui parle du Ramadan parle du Coran. Et c'est pour cela le Coran et Ramadan riment ensemble pour rythmer la vie spirituelle du croyant. Dieu dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. » Il dit que le mois du Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la Laylat al-Qadr, elle est la nuit où le Coran a vu une première descente au ciel, c'est-à-dire... D'ailleurs, on a programmé une émission spéciale on parlera sur de le ça. Sujet, donc, « Inna anzalnahu fi laylatil qadr ». Certes, nous l'avons fait descendre dans la nuit grandiose. « Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka », une nuit bénie. Donc, on parlera de ça, mais le Coran est très lié
au mois de Ramadan. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le lire essentiellement en arabe, comme ça on a plein de bonnes actions, puisque chaque lettre est égale à 10 bonnes actions, ou il faudrait éventuellement plus se concentrer sur la compréhension qui devrait nous mener à la taqwa? On a toute l'année pour penser et méditer les versets du Coran. Dans le mois de Ramadan, ce qui est à conseiller, c'est de lire le Coran. C'est l'occasion pour lire la totalité des versets, d'écouter la totalité des versets du Coran. Et d'ailleurs, c'est là où la prière surérogatoire de la nuit, c'est-à-dire Tarawih, prend toute son ampleur, son importance, car elle nous permet de d'écouter tout le Coran. D'écouter dans le sens où on va plus viser, comprenez-moi bien, les bonnes actions ou la compréhension. Alors, si j'ai bien compris, hein, la compréhension, on l'étale plus sur l'année. Oui. D'accord, très bien. Le mois de Ramadan, c'est plus pour la lecture du Coran, la récitation. C'est une occasion et les compagnons du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple, ses compagnons, nos savants, faisaient tout pour optimiser le nombre de fois de leur lecture du Coran, c'est-à-dire dans sa totalité. Dans ce mois, il y a ceux qui finissaient le Coran chaque trois nuits, chaque semaine, chaque 10 jours, chacun selon ses capacités. Donc, faire l'effort, c'est ce qui est recommandé dans ce mois béni. Très bien. Pour terminer, je voudrais m'arrêter sur un hadith ou un passage d'un long hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et si vous pouviez nous l'expliquer. C'est un hadith qudsi où Dieu dit « Tout ce que fait le descendant d'Adam est pour lui-même, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. » Donc, voilà, le jeûne, il est fait pour Dieu et c'est Dieu qui donne la récompense. Alors, on a du mal un peu à comprendre ce hadith, hein, puisque le croyant, chaque acte qu'il fait, il le fait pour Dieu. Et à chaque fois, c'est Dieu hein, qui récompense. Bien sûr. Seulement, dans ce hadith, il parle d'une spécificité du jeûne qui est liée à cette finalité qui est taqwa, la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, at-taqwa ha-huna. Et il indique donc l'endroit où réside la taqwa, où réside la piété, c'est-à-dire le cœur. Et bien sûr, nul ne peut savoir ce qui est dans le cœur de l'individu, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le jeûne a cette spécificité qu'il est très lié à la taqwa, à la piété, et qui fait que l'individu prend une voie vers une caractéristique divine c'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nourriture, n'a pas besoin de boisson, n'a pas besoin de rien. Et l'individu, dans un moment de sa journée, donc il s'abstient de nourriture, tout, ouais. De boisson, de rapport intime. Et donc il prend un chemin qui le rapproche hein, de cette caractéristique divine et qui est aussi une caractéristique des anges, hein, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas de s'accouple pas. Donc c'est le monde spirituel, le monde céleste dans ce mois devient plus proche par cette pratique qui est le jeûne, qui est l'abstinence. Et c'est très important de souligner que dans ce mois-ci, l'abstinence est si positif et si productrice que elle devient un acte d'adoration qui rapproche l'individu de Dieu. Et l'individu comprend par ce mois l'intérêt de s'occuper de son âme comme il s'occupe de son corps. Car souvent, on a le réflexe de s'inquiéter de notre nourriture,
mais on s'inquiète pas de notre âme, de sa nourriture. Le Coran est la nourriture de l'âme. Comme l'eau, sont la nourriture du corps. Donc pour revenir un peu, oui, pour cette spécificité, donc il y a la question de la piété qui nourrit une abstinence pour ressembler au monde céleste. Et donc l'homme sort de sa nature, on va dire terrestre, pour aller au-delà de, et ça personne ne peut le savoir, hein, et à quel degré il est l'individu pour le récompenser si ce n'est que Dieu. Et lui récompensera selon au cas par cas, on va dire, très bien, sur le plan individuel. Parfait. Merci beaucoup, cher Zakaria, pour cette intervention, monsieur, et ces très belles et profondes précisions. Chers internautes, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Laylatul Qadr. Salam alaykoum wa rahmatullah. النبي صلوا عليه صلوات